Les amis, nous avons sous les yeux 5 portfolios de cartes Pokémon des éditions Soleil et Lune et Épée et Bouclier. Donc, on va ouvrir et vous faire découvrir ces portfolios pour une vidéo un peu particulière. Pour une fois, c'est pas forcément des overboosters, même si on a des boosters à l'intérieur de certains portfolios. Mais on va les ouvrir et vous montrer ce que représentent les portfolios de certaines familles. Donc, on a sous les yeux un portfolio ici. De l'édition Soleil et Lune Invasion Carmin, c'est l'édition SL4. On a un portfolio ici de l'édition Soleil et Lune du Haut-Choc, l'édition SL9. Ce portfolio qui est de l'édition SL3, alors, il est totalement libre. Alors, SL3, c'est Ombre Ardente et il a été réédité aussi dans l'édition Harmonie des Esprits, l'édition SL11. Donc on peut commencer déjà par celui-là, hop, on peut voir les deux côtés. Et donc le portfolio, les portfolios, bon maintenant il y a des portfolios qui peuvent contenir plus de 180 cartes, puisque les familles ont à peu près 250 cartes, mais à l'époque on avait 10 pages, tout simplement, et ça pouvait contenir simplement 180 cartes au maximum. Donc celui-là on va le laisser là, et on a le dernier portfolio qui est dessous, qui n'a pas de booster, celui-là par contre, c'est le portfolio de l'édition. EB03, Ténèbres embrasées, Épée et Bouclier, c'est l'édition qui vient juste de sortir. Donc on va l'ouvrir en premier pour vous faire découvrir ce portfolio. Voilà, le portfolio magnifique. Ouvrir comme ça, on a toute l'image complète. Voilà, portfolio magnifique. Alors comme expliqué, maintenant les portfolios, ils ont plus de 250, plus de 180 pages. Donc on va compter 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Bon, je veux dire, il y a 14 pages fois 18 cartes. Donc ça fait 252 possibilités de ranger 252 cartes à l'intérieur d'un portfolio. Contrairement à avant où les portfolios avaient une capacité maximum de 180 cartes. On va aussi mettre celui-là hop, en avant. Voilà. On voit bien les images. Un portfolio magnifique, édition SL3. Et puis maintenant, on va les ouvrir dans l'ordre. Alors, les trois portfolios qui sont là, Harmonie des Esprits, Invasion Karma, on commence par le plus ancien, celui-là, Invasion Karma. Hop, c'est parti. Alors, les portfolios s'adressent surtout, avant tout, aux collectionneurs, en même temps, aux joueurs qui pourraient y ranger leurs cartes sans qu'elles s'abîment, tout simplement. On va l'ouvrir un peu ici. Voilà. Et on a le booster aussi à l'intérieur que l'on va ouvrir également. Alors, hop, on va mettre de côté les emballages. Et hop, donc voilà le portfolio de l'édition SL4 Invasion Karma. Portfolio ouvert. Portfolio magnifique aussi, avec des dessins magnifiques, qui devaient pouvoir contenir, je crois, 180 cartes hein, à l'époque. 3, 4, 5, oui, c'est ça, 180 cartes. Donc, on va ouvrir un booster de l'édition Invasion Carmin en même temps. Voilà, tant qu'à faire. Et c'est parti. Alors, donc on a la carte jeton que l'on isole. Donc, on peut voir ici le logo. Alors, c'est des cartes françaises, hein, petite précision. Voilà, on a Neuneuf c'est une commune reverse. Et en rare, on a. Alors, ça, c'est sympa. On achète un portfolio, il y a un booster, on a une carte GX. Mouscoto GX dedans. Alors là, magnifique. Ça, c'est très fort, ça. Avec le portfolio. Alors, je dis pas que si on achète à chaque fois des portfolios, il y aura des cartes GX ou de super valeur dans le booster qui est dans le portfolio. Mais bon, alors là, c'est vraiment un coup de bol. C'est un coup de bol monstrueux. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, avec le portfolio, on a cette petite carte GX en bonus. C'est très sympathique. Alors là, c'est très sympa. Vraiment, c'était pas prévu du tout. Allez, on continue. On va ouvrir celui-là, Soleil et Lune, du haut de choc. Et c'est le 9, un deuxième portfolio qu'on va ouvrir. Un deuxième portfolio qui comprend un booster, petite précision. Parce que là, on a sous les
sous la main un petit lot de 5 portfolios. Voilà. Je vais peut-être aussi découper encore un peu. Voilà. Ça permettra de mieux sortir le portfolio. Voilà. On va sortir le booster aussi. Avec un scotch. Et on va découvrir le portfolio en premier. Et voilà ce portfolio qui est un peu différent des autres. Et donc, je suppose, petite supposition, ouais, il peut contenir 180 cartes. Donc on va ouvrir le booster que l'on a avec. Allez, c'est parti. Hop, pas tout. Et c'est parti. Édition SNF. Ah. On va enlever la carte jeton. Et on va faire défiler les cartes. On va aller chercher les peu communes aussi. Dresseur et l'énergie. Et pour en reverse, on a Kangourex, une commune, peu commune. Et on a en rare Roux Carnage. Bon, voilà. Ça démontre aussi qu'on ne peut pas avoir des cartes GX dans tous les boosters qui sont dans les portfolios. Donc voilà, magnifique. Bon, l'autre, c'était vraiment un coup de bol. Et puis on a le dernier portfolio. Donc là, c'est un peu plus récent et c'est le 11 Harmonie des Esprits. Toujours Soleil et Lune. Donc on va l'ouvrir. C'est le même portfolio que l'édition SL3 que l'on a découvert un peu plus en avant dans cette vidéo. Voilà. C'est pareil, on a aussi un booster à l'intérieur. On va récupérer le booster. De côté tout ça. Donc le portfolio. Ah, magnifique hein, ce portfolio. Alors j'ai pas regardé si c'est totalement le même que l'édition SL3 qu'on a dessous. On va aller voir. Parce qu'il y a peut-être le dos qui est peut-être différent. Bon, c'est à peu près le même. Le dos est le même, oui, c'est le même. Tout simplement, ben, ça arrive hein, qu'ils se ressortent des portfolios de toute façon. Voilà. Hop. Donc on va ouvrir le booster de cette édition là, un nouveau booster français. Fait plaisir en ouvrant quelques boosters au milieu des portfolios. Et c'est parti, donc la carte jeton que l'on enlève. On va laisser un peu de suspense, on va aller chercher les unes communes. Voilà, bon, bien. L'énergie qu'on enlève. Et puis on a en reverse Mushana. C'est une peu comme une reverse. Bon. Et en rare, Prédastérie. Voilà, du classique. Bon. On peut dire qu'on a été quand même gâté avec cette ouverture de portfolio. Parce qu'on quand même avoir une carte GX, c'est pas tout le temps, c'est pas courant. A priori, il y en a 7 ou 8 par boîte de 36 boosters. Bon, là, on ouvre 3 boosters, on en a une. Donc c'est un petit coup de chance d'avoir eu ça, voilà. Donc là, on voulait vous faire découvrir un petit peu ce que c'était une ouverture de portfolio. Bon, c'est vrai que c'est plus pour les collectionneurs, et puis les joueurs qui ont aussi des cartes qui veulent, ne veulent pas abîmer, qui vont mettre des belles cartes, qui vont mettre à l'intérieur. C'est vrai que les portfolios sont très sympathiques, et pour les collectionneurs, ça permet nous de stocker les cartes, et de les mettre en valeur dans une bibliothèque, voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.